crédit pas cher, livré en très peu de temps, va sur fifacoinsbuy.com, le site le moins cher du marché, utilise le code Wizy pour 6% de réduction. Salut à tous et à toutes les gamins au Guibles, c'est Wizy H d'entre temps, aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube sur FIFA 16, les gars. Yes, les gars, il est sorti enfin ce jeu que nous attendions tous. Je m'excuse si le bruit du micro est un peu fort. Désolé pour mon activité, je n'avais pas trop d'idées, j'attendais que FIFA 16 sorte, on va commencer par un squad builder. Vous pouvez vous demander pourquoi j'ai 61 000, c'est parce que j'ai l'édition Deluxe, j'ai fait les deux premiers packs, j'ai eu des packs, j'ai vendu 50 000. Alors on va commencer par le gardien, c'est une petite équipe de Ligue 1. Franchement le gardien c'est un coup de cœur que j'aime surtout et FIFA. Lopez, Anthony Lopez, gardien de Lyon. Si vous avez vu le match contre Marseille, ça c'est dommage qu'il lançait des bouteilles en verre. Défenseur central, j'ai décidé de prendre Sané. Et Rekic, je sais pas si c'est dit comme ça, je crois que c'est Rekic que ça se dit. Je m'en excuse pour les Marseillais qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Je m'en excuse les gars, j'ai pas vraiment l'accent. Alors, ils ont des très bons stats tous les deux. C'est vraiment une équipe low cost qui m'a coûté 10 000 crédits. Vanderbilt, normal. J'allais pas prendre Serge Aurier. J'ai mis franchement un minimum de crédits pour cette équipe. Alors, défenseur gauche, bah Maxwell. J'aurais pu mettre Bedimo, mais franchement, les stats de Maxwell sont beaucoup plus potables. Et je vous prépare une vidéo d'achat-revente pour ceux qui ne le savent pas. C'est pour ça qu'au départ, j'avais que 50 000. J'ai quand même réussi à me faire 61 000, etc. Les potes. Or, Eligo, je voulais pas mettre El Charaoui parce que je n'y ai pas assez joué pour l'instant. L'AVD c'est un joueur que je connais. Par contre sur ce FIFA les passes sont beaucoup plus longues. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Ben Arfa franchement excellent joueur avec 5 étoiles geste technique, 4 étoiles ou 3 étoiles mauvais pied, je ne sais plus les gars. J'ai pas bien vu. Milieu défensif central, j'ai pris Gonalon. Il a des très 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 bons stats. Alors milieu offensif central, je voulais vraiment mettre milieu offensif central, je voulais vraiment mettre Valbuena, mais son prix est quand même assez haut, 5000 crédits pour Valbuena. Mais si je vais attendre qu'il baisse, alors qu'il y a Rémi Cabella qui est là pour le moment. Mes deux buteurs, Braithwaite et Michel Batshuayi, deux excellents buteurs. J'ai mis deux matchs de buts avec chacun, il me semble. Vous aurez les buts à la fin du match. Si vous voulez vous faire cette équipe, je vous incite à la faire, c'est une très 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 bonne équipe. Elle coûte pas très cher, je pense au final, elle me coûte 10 000 crédits. Il y a juste l'Avedi qui m'a coûté un peu plus cher et Ben Arfa, parce que je me suis dit Ben Arfa, il y avait Alessandrini, mais je préfère Ben Arfa. Je vous le dis, alors je vais vous laisser sur les meilleures actions du match. Si vous ne connaissez pas ma chaîne YouTube, je vous invite à liker cette vidéo. Si vous me suivez sur une chaîne communautaire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça ferait très très plaisir. Je vous dis salut à tous, à la prochaine, portez-vous bien, peace.